Je suis le président de l'Union des associations des parents d'élèves au niveau catholique. Et quand on parle d'union, ça veut dire qu'il y a d'autres associations. D'abord, nous sommes organisés au niveau local où nous parlons des écoles, où il y a un bureau local. De ce bureau local, il y a le bureau du secteur, puisque Lomé est scindé en secteur et dans d'autres préfectures, bien sûr. Et après le secteur, nous avons les diocèses. Et donc, c'est vous dire que je suis d'abord le président du bureau diocésain sur le plan Lomé, en tout cas président du secteur Lomé-Ouest-A. Et sur le plan local, je suis le président du bureau des parents d'élèves de l'école primaire catholique à Gotimé. Les 7 diocèses se sont réunis à Sokodé pour mettre sur pied le bureau national. Donc c'est là où j'ai eu, je ne dirais pas la chance, mais peut-être le privilège d'être élu président du bureau national. Et donc à chaque rentrée, nous nous concertons entre nous. D'abord les présidents de chaque diocèse, c'est-à-dire le bureau de chaque diocèse, pour voir comment est-ce que la rentrée a démarré. Mais je ne vais pas faire tout ce développement sans toutefois dire un bonjour aussi fraternel à tous les responsables de l'enseignement catholique. En commençant par Monseigneur Longa, l'évêque de Kara, qui est le responsable de tout ce qui est enseignement catholique au Togo. Je salue également le père directeur national de l'enseignement catholique, le révérend père Marie-Chanel Afoignon. Et tous les révérends pères directeurs diocésains de l'enseignement catholique, les 7, puisque nous sommes 7 diocèses au total. La rentrée ne se prépare pas le jour J. Si on veut être un parent responsable, la rentrée commence d'ailleurs même dès le premier jour des vacances de nos enfants. C'est vrai que par moments, nous écopons quelques difficultés financières, ce qui fait que nous attendons peut-être les derniers jours pour se préparer. Et donc, chaque parent a quand même un rôle à jouer dans la vie de son enfant. Veiller à ce que, d'abord, les fournitures soient disponibles et faire en sorte aussi que l'écolage ne serait-ce que la moitié pour démarrer l'année. C'est là où il est aussi important qu'en tant qu'association, nous puissions par moment donner des formations à nos confrères et à nos consoeurs, c'est-à-dire les parents d'élèves. Tout le monde est parent d'élèves, même le chef de l'État, il est parent d'élèves. Le premier ministre, il est parent d'élèves. Mais ici, comme tous les parents d'élèves ne peuvent pas s'exprimer et au même moment, les besoins, les difficultés, les atouts, c'est pour cela qu'à chaque niveau, il y a quand même cette organisation des parents d'élèves à travers les associations et tout. Parce que chaque association est appelée à faire en sorte que les choses se déroulent bien dans leur établissement. Relation entre parents et enseignants. Relation entre parents et directeurs. Relation entre, ça dit, les parents et les enseignants, comme je viens de le dire, doit être quand même une très bonne relation. Si ce n'est pas comme ça, et toi, en tant que parent, tu ne pourras pas faire un bon suivi de ton élève ou de ton enfant. Alors, la remarque que nous avons souvent faite, qui est une remarque un peu amère, c'est que c'est le premier jour, quand on veut envoyer notre enfant au CP1, qu'on connaît l'enseignant qui va prendre ton enfant pour l'année. Après ça, lorsqu'on finit d'acheter les fournitures et qu'on a payé l'écolage, on ne cherche même pas à voir qui est cet enseignant qui encadre mon enfant et pour toute l'année. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation entre le parent et l'enseignant qui encadre son enfant. Je crois que c'est une fuite en avant. Lorsque ton enfant constate que tu as une bonne relation,
ou que de temps en temps tu rends visite à l'enseignant qui l'encadre à l'école, ça amène l'enfant à être beaucoup plus assidu, à être beaucoup plus respectueux. Et quand j'ai parlé tout à l'heure de l'assiduité, ça amène l'enfant à bien travailler parce qu'il sait que s'il ne travaille pas bien, alors l'enseignant rendra compte à son papa et ça peut lui coûter cher à la maison. Et donc je profite bien sûr de votre antenne pour en tout cas lancer un appel pressant à l'endroit de tous les parents et à tous les niveaux, à ce que chacun joue convenablement son rôle. Il n'y a pas qu'à payer les fournitures ou à payer l'écolage. Après avoir payé l'écolage, après avoir payé les fournitures, il faut chercher à avoir une bonne relation entre toi et l'enseignant qui encadre ton enfant. C'est un devoir que chaque parent doit quand même essayer de suivre pour la bonne conduite, hein, la réussite totale de nos enfants. Je peux vous dire que lorsque vous prenez l'enseignement catholique, puisque je suis le président du Bureau national, je peux parler avec affirmation par rapport à l'enseignement catholique que de parler sur le plan général ou des autres unions. Et lorsque vous prenez l'enseignement catholique pour cette année, nous avons eu 97,97% de taux de réussite. Et lorsque vous prenez l'OME, nous avons 112 écoles au total pour le diocèse de Lomé. Et sur les 112 établissements catholiques, 100 écoles ont eu 100%. Et peut-être 12 qui ont eu 95, 97, 98%. Ça a été vraiment, disons, je dirais un taux de réussite qui a beaucoup émerveillé les parents d'élèves. Et je ne peux que profiter de votre antenne pour dire un sincère merci à tous les premiers responsables de l'enseignement catholique, au corps d'encadrement, aux enseignants, aux directeurs, pour le travail qu'ils ne cessent de faire. J'ai devant moi un document qui a été élaboré par la Conférence des évêques du Togo, par rapport à l'enseignement. Et dans ce document, c'est un plan stratégique qui doit être mis en exécution pour l'année 2020-2025. Et c'est un document dans lequel il y a un peu de tout. Je peux vous rassurer que si on arrive à mettre en application tout ce qu'on a mis ici comme plan stratégique pour la bonne réussite de l'enseignement catholique, je crois que ce ne serait pas une manière, disons, de dire que les autres ne font rien, mais nous serions vraiment au-dessus. Que ce soit l'enseignement public, que ce soit les privés laïcs, catholiques sera vraiment en avant. Parce que déjà, ce document, on a parlé d'amélioration des conditions de travail. C'est déjà quelque chose. Hein? Du personnel enseignant et d'encadrement. Parce que lorsqu'on n'améliore pas les conditions de travail des enseignants, ça aussi constitue des fois, disons, un blocage. Et pour cette année spécialement, nous avons eu à discuter par plusieurs fois avec les premiers responsables et les premiers responsables de l'enseignement catholique ont pris sur eux. Ce n'était pas vraiment de leur volonté de le faire ainsi, mais nous nous trouvons dans une obligation pour le faire. C'est pour dire que ce n'est même pas au niveau de l'enseignement catholique seul. Tous ceux qui sont dans le privé, privé laïque, confessionnel, protestant, chacun de son côté a essayé d'augmenter un tout petit peu l'écolage. C'est pour pouvoir faire face aux conditions de vie et de travail du corps enseignant. Vous n'êtes pas sans savoir que le SMIC est allé à 52 500. Pour que l'école catholique puisse payer les enseignants, ne serait-ce qu'au SMIC, ça a quand même poussé les premiers responsables à augmenter légèrement. Excusez-moi le terme, bon, peut-être que quand on parle de légèrement, on va dire, ben, c'est combien?
Je vous donne juste un exemple d'un établissement qui payait 23 000 avant. Et pour cette rentrée 2023-2024, les parents vont payer 35 000. Vous voyez, c'est un peu ça l'écolage, ça c'est sur Lomé. Mais on a fait l'écolage en fonction de ce que chaque établissement payait avant. Parce que quand vous allez à l'intérieur du pays, ce n'est pas la même chose. À l'intérieur du pays, à Takpamé par exemple, je crois que c'était 15 000 quand nous on payait 23 000 à Lomé. Donc pour cette année, ils ont augmenté légèrement. Voilà, donc c'est comme ça, à chaque niveau, les responsables ont essayé d'augmenter un peu pour pouvoir faire face à des difficultés qu'on peut rencontrer pour pouvoir payer convenablement les enseignants. Et dans les années écoulées, vous allez constater qu'il y a eu tellement de grèves, mais même bien avant que l'État n'augmente ou ne revoie le SMIC de notre pays, le Togo, l'enseignement catholique a déjà fait des efforts, faire en sorte que avant les enseignants percevaient 10 mois dans l'année, puisque une année commence de janvier à décembre. Donc, on payait 10 mois aux enseignants, mais depuis un certain moment, ça fait 12 mois sur 12. Mais il n'y a pas de recette quelque part où on peut aller puiser facilement, si ce n'est pas à travers l'écolage. Donc, je profite de l'occasion pour, en tout cas, encourager les parents d'élèves à ne pas démériter. Ce n'est pas le fait qu'on a augmenté l'écolage qu'on va dire « j'enlève mon enfant de l'école catholique pour ailleurs ». Puisque ailleurs aussi, même au privé laïque, ils ont augmenté pour pouvoir faire face aux difficultés financières. Donc le mieux, c'est de garder son enfant dans l'établissement où il a commencé pour pouvoir suivre le circuit jusqu'à obtenir le diplôme qu'il faut, en commençant par le CPD, le BPC, BAC et peut-être au niveau universitaire où nous avons même une école, en tout cas l'université que nous appelons UKAO SIS à Zangera. Avant même que l'État ne revoie le SMIC du Togo ou des fonctionnaires togolais, l'enseignement catholique a déjà fait d'énormes efforts. J'ai dit tout à l'heure qu'avant on payait 10 mois aux enseignants, mais c'est allé à 12 mois sur 12, puisque les enseignants ont fait des grèves pour revendiquer ces conditions-là. Pourquoi ailleurs on paie les enseignants 12 mois sur 12 et que c'est au niveau de l'enseignement catholique où il faut payer 10 mois? Les enseignants ont réclamé et ça dit que tout ce qu'ils ont mis dans leur réclamation a été pris en compte. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas, disons, une caisse quelque part où on peut aller puiser de l'argent pour régler les problèmes sur le plan financier des enseignants et de l'enseignement catholique, le corps d'encadrement et tout. Mais c'est à travers l'écolage. C'est pour cela même d'ailleurs que nous disons que les parents d'élèves constituent quand même un partenaire clé ou des partenaires clés à tous les, c'est-à-dire que les domaines d'enseignement dans notre pays. C'est pour cela qu'ils doivent prendre soin de nous. Ils doivent prendre soin de nous. Donc, c'est vous dire que pour cette année ou depuis un certain moment, comme vous pouvez le remarquer, il y a déjà un effort ou des efforts qui ont été faits. Ça fait que pour gréver, en tout cas du moment où on a eu à augmenter l'écolage dans le souci de pouvoir payer, même si ce n'est pas ça, au moins que ça soit régulier et que ça couvre toute l'année. Que l'enseignant ne dit pas que bon, je vais travailler pendant, disons, une année et puis je serai payé sur 10 mois. Ce problème est déjà réglé. Maintenant, nous sommes en train de voir dans quelle mesure du possible on peut encore améliorer davantage. C'est ça. C'est aussi une occasion pour nous de lancer un appel à des personnes de bonne volonté qui voudra bien accompagner l'enseignement au Togo, pas seulement au niveau catholique, mais l'enseignement aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une clé de voûte. Personne ne peut réussir sans toutefois avoir, comment l'appelle-t-on, un encadrement ou une formation adéquate. Donc c'est là où aujourd'hui l'école n'est plus quelque chose, on va essayer voir ce que ça va donner, on va tenter voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, nous les parents, nous sommes interpellés. On doit investir dans nos enfants. Au lieu d'investir dans nous-mêmes pour dire « je vais acheter des bracelets,
hein, de haut niveau, des tenues de haut niveau, je vais. Il faut plutôt prendre ces sous-là pour investir dans les enfants qui constituent, hein, notre avenir de demain. Et sans cela, tu auras beau faire des enfants, si tu ne leur donnes pas l'occasion de pouvoir réussir, c'est que tu n'auras rien fait. Je puis vous dire avec fierté que l'État reconnaît que les parents d'élèves existent. L'État reconnaît, surtout le ministre Kokoroko, que je salue de passage, qui fait beaucoup pour l'enseignement au Togo. Depuis qu'il a pris la tête de l'enseignement au Togo, on a constaté vraiment de nettes améliorations. C'est l'occasion pour moi de le remercier, de le féliciter pour tous les efforts qu'il essaie de déployer. Nous l'encourageons à faire encore mieux et plus. Et quand il faut parler de relations, nous avons une très bonne relation avec le ministre. Et là, je profite pour vous dire que nous sommes trois grandes organisations. Il y a l'UTAP, qui est beaucoup plus au niveau des écoles publiques. Il y a notre UNAPEC, qui est beaucoup plus au niveau catholique. Et il y a aussi l'Union des enseignements au niveau protestant. Donc, il y a même une réunion qui nous attend dans les jours à venir. C'est pour voir qu'est-ce que les grandes unions peuvent faire ensemble, c'est-à-dire quelle énergie, synergie on peut créer entre nous. On dit souvent seul, on peut aller loin, mais et disons ensemble, on va beaucoup plus loin. C'est pour dire que lorsqu'on se mettra dans une synergie d'action, ça va aussi aider le ministre dans tout ce qu'il entreprend aujourd'hui dans le secteur de l'enseignement pour faire en sorte que nos enfants puissent avoir une formation adéquate. Donc il y a quand même de très bonnes relations avec le ministre, de très bonnes relations entre nous et les unions qui existent au Togo sur le plan association des parents d'élèves. Ma réaction, elle est toute simple. Vous savez, dans la vie, lorsque tu veux faire quelque chose, il faut le faire bien. Quand on parle de l'école, ce n'est pas un lieu où on va aller s'amuser. Il faut mettre les élèves dans de bonnes conditions. Ça aussi, ça motive les enfants. Lorsque vous créez une école sur un demi-lot, il n'y a pas d'espace, il n'y a rien. Lorsque les infrastructures ne répondent pas aux normes conventionnelles, mais on ne pourra pas dire que le ministre a été trop sévère. Mais il a joué seulement son rôle. Puisque avant d'en arriver là, certainement que les promoteurs, les responsables de ces écoles ont été interpellés. On les a bien sûr mis en garde pour dire « Est-ce que ce ne serait pas bien que vous essayez d'améliorer les conditions de vie et de travail d'abord un des enseignants, des élèves. » Mais lorsque ce n'est pas fait, on va dire que le ministre est sévère, mais ce n'est pas ça. Et aussi profiter pour interpeller les promoteurs, les fondateurs des écoles, pour dire qu'on ne crée pas d'école parce qu'il faut créer d'école. Quand vous créez une école, il faut tout faire pour que au moins le minimum des conditions adéquates soient remplies. Et comme ça, le parent qui envoie son... Je vous donne juste l'exemple d'une école qui est dans notre commune ici, que nous appelons Couvenant. Mais ce matin, c'est un monde fou. Parce que tout le monde veut faire en sorte que son enfant réussisse. Mais quand, par exemple, dans une école, on constate que l'encadrement, ce n'est pas ça, le cadre ne répond pas, les conditions de travail, ce n'est pas ça, mais les parents eux-mêmes seront même des fois obligés d'enlever leur enfant de ces établissements-là. Bon, donc, ce n'est pas une joie pour nous que ces établissements soient fermés, mais nous compatissons quand même et nous demandons à ce que les promoteurs puissent quand même s'inspirer de pourquoi on n'a pas fermé toutes les écoles privées du Togo et que c'est certaines écoles qu'on a fermées. C'est parce qu'il y a un souci. Le ministre, je ne pense pas que depuis son bureau, va dire « bon, c'est parce que le fondateur, là, sa tête ne me plaît pas, donc il faut fermer son établissement ». J'en doute très fort. Connaissant le monsieur, je ne pense pas qu'il aura quand même intérêt à agir de la sorte. Il a agi parce qu'il aurait fait un constat qui n'est pas bien.
Je commence d'abord par les autorités. Tout à l'heure, j'ai félicité Monsieur le ministre, le professeur Dodi Kokoroko, pour tous les efforts qu'il essaie de déployer depuis qu'il est arrivé à la tête de l'enseignement de notre pays. Lorsque tu fais quelque chose et qu'on t'apprécie, c'est parce que les gens veulent que tu en fasses encore mieux et plus. Donc c'est l'occasion pour nous de l'interpeller encore une fois pour dire, nous les parents, nous le soutenons. Nous sommes avec lui. Dans nos prières, dans toutes nos actions, nous serions toujours avec lui. À tout moment qu'il aura besoin de nous, qu'il nous fasse appel, on va répondre. Et si ça rentre dans l'intérêt général de l'enseignement au Togo, nous serions toujours disponibles. J'ai dit tout à l'heure que même le chef de l'État, son Excellence Faure Sozimna Nyasimbe, c'est un parent. Après tout, il est le chef de l'État, mais c'est un parent. Il faut toujours, disons, des porte-flambeaux, des personnes qui répondent au nom de tous les parents. C'est pour cela qu'il est important qu'il y ait une très bonne relation entre nous, les associations des parents d'élèves et les autorités de ce pays. Il n'y a pas que le ministre seul, à tous les niveaux, tous les ministres. Le Premier ministre, il est là pour nous et donc quand elle aura besoin de nous, qu'elle nous fasse appel. Tout ce qu'on fera pour que une amélioration nette sera constatée au niveau de l'enseignement dans notre pays, nous serons disponibles à le faire et à tout moment. Maintenant, quand il faut parler des autres associations que nous avons, j'ai parlé tout à l'heure de l'UTAP, qui est une grande union des parents d'élèves, qui est beaucoup plus au niveau des écoles publiques. Il y a aussi le confessionnel protestant et le confessionnel catholique. Nous sommes tous dans une union. Et c'est ensemble, parce que nous avons compris tout de suite que quand on se mettra dans une synergie d'action, ça aiderait beaucoup plus à faire booster les choses. Les constats que nous faisons aujourd'hui, peut-être que ça devient un poste de ministre, demain on peut dire que le ministre Kokoroko n'est plus ministre de l'enseignement, des enseignements primaires et secondaires. C'est quelqu'un qui viendra le remplacer. Alors que ça soit une continuité. Hein. Et le constat que nous les parents nous faisons nous encourage. Et c'est pour cela même qu'au niveau de l'union des associations que nous avons dans le pays, les trois grandes associations ou les trois grandes unions, et nous projetons d'ailleurs même des rencontres, une réunion. Et je préfère taire peut-être la date pour le moment, mais dans les jours et mois à venir, vous allez voir les trois grandes unions se mettre ensemble pour des actions concrètes pour faire avancer l'enseignement dans notre pays. À l'endroit des parents, chacun là où il est en ce moment précis. Que tu sois à Anerho, à Djarakwanga, à Dapaon, à Bafilo, à Sokode, à Karaou, à Balimé ou partout, chacun n'a qu'à jouer son rôle. J'ai dit qu'une chose est d'assumer les fournitures et le collage des enfants, mais une autre est de faire un suivi, qu'il y ait une bonne relation entre les parents et les enseignants. On n'envoie pas son enfant à l'école sans toutefois avoir de relation avec l'enseignant qui encadre son enfant, au moins le directeur. De temps en temps, aller dans l'établissement pour voir comment est-ce que mon enfant se comporte, qu'est-ce qu'il fait. Aujourd'hui, je ne vais pas vous le cacher, vous avez dit tout à l'heure que je ne vais pas, en tout cas, me prononcer ce matin en tant que conseiller municipal, mais en tant que président du Bureau national des associations des parents d'élèves. C'est vous dire que même dans notre commune, il y a de ces écoles aujourd'hui, quand vous arrivez, c'est une n'importe quoi. Le comportement de certains élèves laisse à désirer. Aujourd'hui, le portable n'est plus un outil, disons, de plaisir. C'est un outil de travail. Mais la question reste posée. Comment est-ce que nos élèves utilisent aujourd'hui ce produit-là, que nous appelons le téléphone? Comment est-ce qu'ils utilisent ça? L'utilisation du téléphone, au lieu de faire des recherches, parce que tout le monde, ce n'est pas tous les parents qui ont les moyens pour, en tout cas, acquérir les grands documents dont ton enfant aura besoin, mais avec des recherches sur son téléphone, on peut même télécharger des documents qu'on peut lire à la maison, apprendre. Mais malheureusement, force est de constater que nos élèves, nos enfants aujourd'hui, utilisent le téléphone pour d'autres fins qui ne nous honorent pas. Au-delà, vous allez même constater que dans certains établissements, les élèves viennent à l'école avec
de l'alcool dans leur sac, avec de la cigarette, même la drogue que nous appelons cannabis. Et ces élèves qui viennent à l'école avec ces produits-là prohibés, quel avenir ces enfants seront en train de construire pour eux-mêmes et pour les parents? Peut-être toi, le parent, tu es à la maison, tu ne sais ce que ton enfant est en train de faire à l'école. Mais je crois que si tu joues convenablement ton rôle de parent, en visitant de temps en temps l'école de ton enfant, je crois aussi que ça peut aider à dissuader un tant soit peu ces genres de comportements que nous remarquons aujourd'hui, malheureusement, dans certains établissements, hein, pas seulement dans la commune où je suis, mais dans tout le Togo, il y en a. Et peut-être pour aller loin, c'est un peu déplorable que certains qui soient aussi des parents puissent se permettre de vendre ces genres de produits à proximité de certains établissements. Des débits de boissons, tukuchu, du sorabi, et même des bars. Il y a même des gens qui installent des tables dans des établissements pour servir la bière. Du tukuchu qui est préparé à côté d'une école. Les enfants sortent en récréation, ils vont aller prendre du tukuchu, ils vont aller prendre du sorabi, et quand ils reviennent dans la classe, c'est du n'importe quoi, ils embêtent. Et surtout, avec ces conditions de dire qu'on ne doit plus punir un enfant à coups de bâton, et ça donne, je ne sais pas si c'est un pouvoir à certains élèves qui des fois se permettent d'embêter les enseignants. C'est là où il est important que toi, le parent, de temps en temps, tu visites l'établissement de ton élève, de ton enfant, pour constater d'abord, disons, ses relations. Ses relations, pendant les vacances, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il sort, il revient? Je vais vous donner quand même cet exemple. Un proviseur, je ne vais pas donner son nom, était chez lui pour un truc. Il nous dit que l'élève est venu à l'école avec une natte. Et pendant, comment l'appelle-t-on, une heure creuse, l'élève se permet d'utiliser l'allée, hein, c'est-à-dire entre les bancs, pour étaler sa natte. Et il s'est couché. Lorsqu'un enseignant est rentré dans la classe, il dit, mais qu'est-ce que je vois là? L'élève se permet de lui dire, je me repose, monsieur l'enseignant, ou bien ça vous dérange? Voilà les quelques élèves que nous avons aujourd'hui dans nos établissements. Et c'est déplorable. À l'endroit de ces élèves, ils constituent notre avenir. Lorsqu'un enfant réussit, il ne réussit pas uniquement que pour lui. Mais d'abord, il réussit pour lui, hein. Il réussit pour ses parents, il réussit pour la nation dans laquelle il est. Ok? Mais ça dit que c'est un peu déplorable que nous soyons tous des collègues, des camarades de classe, que certains réussissent et d'autres ne réussissent pas. Et que ma réussite, ça dit que ma défaite, soit plutôt de. Ça dit, émane de moi-même mon comportement. Quand j'étais encore jeune, quand j'étais encore sur les bancs. Lorsque je ne devrais pas fumer, mais je me permets de fumer. Lorsque je ne dois pas boire, mais je me permets de boire. Et j'embête les enseignants parce que je pense que ce que je fais là, c'est bien. Demain, lorsque tu ne vas pas réussir, ne deviens pas brigand pour aller braquer celui-là qui a pris sur lui d'apprendre, d'honorer lui-même sa personne, d'honorer les parents et d'honorer la nation dans laquelle il est. Et donc, un appel pressant à l'endroit de ses élèves pour leur dire que chacun doit veiller, doit travailler pour sa propre gouverne. Ce qu'il veut pour demain. Qu'est-ce que je veux devenir? Je dois être un brigand? Est-ce que je dois être une personne complète? Quelqu'un qui est appelé à apporter ma contribution pour le développement de mon pays? D'abord, je tiens à vous remercier une fois encore pour l'opportunité que vous nous avez offerte ce matin
à pouvoir s'exprimer. Nous ne serons pas des donneurs de leçons. Nous ne sommes pas ici pour donner de leçons. Mais nous sommes là pour apporter juste notre petite et modeste contribution dans le cadre de l'enseignement, dans son ensemble, dans notre pays, le Togo. Faire en sorte que nos enfants puissent recevoir la bonne éducation. Et pour ce fait, chacun doit jouer son rôle. L'enseignant doit jouer son rôle, le directeur doit jouer son rôle, le fondateur doit jouer son rôle, le parent doit jouer son rôle. Et l'enfant aussi doit quand même jouer son rôle en tant qu'enfant. Si vraiment je veux réussir, alors je dois tout faire pour réussir. Et donc, je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne rentrée à tous nos élèves. D'abord, à nous les parents, parce que quand on parle de rentrée, nous aussi, nous faisons la rentrée comme ça, hein, parce qu'il y a de ces parents, ce sont eux-mêmes qui vont déposer les enfants à l'école, qui vont aller les chercher pour... voilà. Donc, c'est la rentrée à nous tous. Donc, bonne rentrée à nous les parents également. Bonne rentrée à tout le corps d'enseignants. Les encadreurs, tout le corps d'encadrement. Et s'il faut revenir spécialement sur l'enseignement catholique, les résultats que nous avons eus pour l'année académique 2022-2023, nous souhaiterions que ça s'améliore davantage. Et ça, je sais que si chacun jouait convenablement son rôle, on aura bien sûr ses résultats. Encourager par exemple tous les pères directeurs diocésains de l'enseignement catholique au Togo. Et je salue au passage le père, le révérend père Ambroise, qui est le père directeur diocésain de Lomé. Je le salue au passage. Je l'encourage. Tous en font beaucoup. Pour le père directeur national, le révérend père Marie-Chanel Afogno, c'est un monsieur qui connaît son travail et qui le fait bien. Mais nous profitons bien sûr de l'occasion pour l'encourager à faire encore mieux et plus. Notre souhait, j'ai dit tout à l'heure que pour toute l'année, nous avons eu 97,97% de taux de réussite. Et sur 112 écoles, 100 écoles ont 800%. Nous voulons que pour l'année académique 2023-2024, que nous ayons 100% sur toute l'année du territoire. Et je voudrais peut-être retourner, aller un peu en arrière pour dire que nous devons être au même moment qu'on soit de bons parents. On doit en même temps faire en sorte que nos enfants soient bien orientés. Il faut une bonne orientation à nos enfants. Parce qu'il y a de ces enfants, c'est en classe de 3e qu'on pose la question, ou même c'est quand l'enfant, le BPC, qu'on lui pose la question, qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, quelle série tu choisis. Quand c'est comme ça, des fois, ça bouleverse les enfants. C'est pour cela que, déjà, lorsque l'enfant commence la classe de 6e, il faut commencer par jouer le rôle de conseiller d'orientation. Nous avons des conseillers d'orientation, bien sûr, que nous saluons d'avant, et disons au passage, mais nous, les parents aussi, on doit jouer ce rôle de conseiller d'orientation à l'endroit de nos élèves, tout en essayant de les aider à choisir la série qu'il faut ou ce qu'il faut pour qu'après avoir obtenu les diplômes, que ça puisse les aider à réussir leur vie. Parce qu'une chose est d'avoir les diplômes, une autre, c'est de pouvoir travailler. Et donc, on doit quand même aussi faire des recherches pour voir dans quel domaine aujourd'hui on a plus besoin des diplômés, des gens, pour travailler. Sur le plan technique, je crois qu'on a un travail en tant que parent à faire, surtout à l'endroit de nos jeunes filles. Aujourd'hui, on pense que c'est seul un homme qui peut être menuisier, qui peut être chaudronnier, qui peut être, disons, maçon, qui peut être chauffeur. Nos sœurs, nos enfants, nos élèves, nos filles peuvent aussi être de grands ingénieurs. Et ça, pour que nous puissions en arriver là, il faut orienter les enfants, leur dire qu'il n'y a pas que les hommes. Aujourd'hui, nous parlons de l'émancipation de la femme, égalité de sexe et tout. Bon, si on le dit dans la bouche et qu'on ne travaille pas pour que nos filles puissent choisir des filières qu'il faut pour être de grands ingénieurs pour demain, je crois qu'on aurait beau crier égalité de sexe, émancipation de la femme, mais on sera toujours sur le tableau zéro. Donc c'est une occasion pour moi, disons, d'inviter les parents que nous sommes à faire en sorte que nos enfants puissent aussi être orientés pour ce qu'ils doivent devenir demain pour leur réussite.